Au cœur du quartier des Chartrons, Carla Belin est depuis septembre locataire d'un appartement grâce à MyVisitor. Rien d'incroyable, si ce n'est que grâce à l'application, la jeune étudiante n'a pas été obligée de visiter l'appartement. C'est moi qui ai dû trouver mon appartement. J'ai pris contact avec l'agence. De là, on a établi une date de visite. Et en fait, c'est moi sur l'application qui ai rentré toutes les coordonnées, toute la visite, tout ce qu'il fallait faire. Et c'est quelqu'un d'autre, du coup, qui s'est rendu à l'appartement pour moi. Une astuce de visite fiable qui permet de se faire une idée réelle du logement et sans mauvaise surprise. Grâce à toutes les photos et vidéos qu'il a prises, et également un compte-rendu, donc dessus, j'ai pu me faire une idée super précise. J'ai reçu dans l'heure qui a suivi toutes les photos, toutes les vidéos, tout le compte-rendu, et j'ai pu me placer super rapidement sur l'appartement. S'appuyant sur le constat de la précarité étudiante, Léna de Morgoli veut garantir une visite de qualité par les étudiants formés aux visites à distanciel. Ce sont la plupart du temps des étudiants qui ont vécu eux-mêmes cette galère d'appartement, donc ils savent très bien par quoi ils passent et qui ont envie de pouvoir faire un complément de revenu. Nous, on les forme à savoir quoi chercher, quoi demander aux propriétaires et aux particuliers. Créée en 2020 à Bordeaux, l'application recense désormais plus de 3000 utilisateurs en France.